C'est une phrase magnifique. Et c'est tout à fait vrai. Il y a aussi dans l'aperçu des pensées une phrase comme ça. Oui, je crois qu'il emploie le mot de Dieu au lieu d'infini. Mais c'est la même idée. Et c'est Dieu qui vous a choisi, le divin vous a choisi. Et c'est pour ça que vous lui courez après. Et c'est ça qui donne, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? C'est ça qui donne cette espèce de confiance, de certitude que... Justement, on est prédestiné. Et si on est prédestiné, même s'il y a des montagnes de difficultés, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on est sûr d'arriver. Ça vous donne un courage indomptable pour faire face à toutes les difficultés, et une patience à tout épreuve. Vous êtes sûr d'arriver. Et c'est un fait. En fait, c'est comme ça. De la minute où vous y avez pensé, eh bien, vous y avez pensé parce qu'on a pensé à vous. Vous avez choisi parce qu'on vous a choisi. Et une fois qu'on vous a choisi, vous êtes sûr de votre affaire. Par conséquent, les doutes, les hésitations, les dépressions, les incertitudes, tout ça, c'est tout simplement du gaspillage de temps et d'énergie. Ça sert à rien du tout. Du moment où on a senti seulement une fois au-dedans de soi, ah, ça c'est la vérité pour moi, c'est fini. C'est fini, c'est réglé. Même si vous passez des années à tailler votre route dans la forêt vierge, c'est, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça qu'un jour je vous disais, après tout, vous êtes tous ici parce que vous l'avez voulu quelque part. Et si vous l'avez voulu quelque part, c'est que le divin l'a voulu ainsi en vous. Alors, il y en a qui suivent un chemin tout droit et qui arrivent très vite. Il y en a qui aiment les labyrinthes. Alors, ça prend plus longtemps. Mais le bout est là. La fin est là. Moi, je sais par expérience qu'il n'y a pas un être qui, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, n'a eu le grand élan vers bien, n'importe comment il l'a appelé. Mais mettons le divin pour la facilité du langage. Qu'il soit sûr d'arriver, même s'il lui tourne le dos à un moment donné, ça n'a aucune importance. Il est sûr d'arriver. Il aura plus ou moins à lutter, plus ou moins de difficultés, mais il est sûr d'arriver un jour. C'est une âme qui a été choisie. Elle est devenue consciente parce que son heure était venue. Une fois que l'heure est venue, bien, le résultat s'en suivra plus ou moins vite.
Vous pouvez faire ça en quelques mois, vous pouvez faire ça en quelques années, vous pouvez faire ça en quelques vies, mais vous le ferez. Et ce qui est remarquable, c'est que cette liberté de choix vous est laissée et que si vous décidez au-dedans de vous que vous le ferez dans cette existence, vous le ferez. Et je ne veux pas dire que vous décidiez d'une façon permanente et continue, parce qu'alors là, ça peut vous prendre 12 mois pour arriver. Non, je veux dire, si vous avez tout d'un coup été saisi par ça, je veux ça, même une fois, dans un éclair. C'est le saut qui est mis là. Voilà. C'est pas une raison de perdre son temps en route. Ce n'est pas une raison pour justement suivre tous les méandres du labyrinthe et arriver avec, avec des déchets considérables quand vous serez au bout. Non. Mais c'est en tout cas une raison pour ne jamais désespérer, quelles que soient les difficultés. Moi, je suis d'avis, quand il y a quelque chose à faire, il vaut mieux le faire aussi vite que possible. Mais enfin, il y a des gens qui aiment perdre leur temps. Peut-être qu'ils ont besoin de tourner, retourner, faire beaucoup de détours avant d'arriver à l'endroit où ils doivent aller. Mais c'est une question de choix. Malheureusement, les gens qui ont cette habitude de tourner et retourner et se détourner et faire toutes sortes de méandres inutiles, ce sont ceux qui se plaignent le plus. Ils gémissent et ce sont les ouvriers de leur propre misère. Si on décidait d'aller tout droit son chemin, coûte que coûte, savoir supporter un petit peu de difficulté, faire face aux désagréments sans faiblesse, eh bien, s'évite beaucoup de tracas. Mais il y en a qui ne vont que si on les prend par la peau du cou et qu'on les tire avec une force terrible, alors ils crient qu'on leur fait violence. Enfin, c'est eux qui l'ont voulu. Voilà. C'est tout. Oui, il y en a encore.